Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Software Inc. Alors, aujourd'hui, on commence une série donc de vidéos sur ce jeu qui est actuellement en alpha, donc qui est encore en développement. Le principe de ce jeu est assez simple, vous incarnez un chef d'entreprise se lançant dans la branche en fait des entreprises style Google, donc dans l'informatique, dans le logiciel en fait. Et vous devez développer votre activité, donc en créant de nouveaux logiciels, en gagnant des parts de marché, en créant même, vous pouvez même aller jusqu'à créer votre bâtiment, embaucher de nombreux employés. Bref, on va voir tout ça dans ce Let's Play. Alors, je ne sais pas encore combien de temps il va durer, j'espère pouvoir vous faire un épisode par semaine au moins sur les 5 prochaines semaines, 5-6 prochaines semaines. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et aujourd'hui, donc, on va commencer une nouvelle partie. Alors, le jeu est en anglais, j'essaierai de le mettre en français, j'ai pas encore trouvé comment faire, mais bon, voilà, on va le faire, on va y arriver. Alors, company name, on va y aller tout de suite avec, évidemment, Valamir & Co. Voilà, le name, Alfred Valamir. Hop. Donc les cheveux, on va pas laisser ça comme ça. On va plutôt laisser ça comme ça. On va pas mettre un short. Hop. On va mettre un pantalon. C'est plus joli. Pantalon noir. Hop. Le jeu est assez intuitif. Hein. J'ai joué un petit peu. Et puis bon, on arrive très bien à le maîtriser en assez peu de temps au final. Les rouages sont un petit peu complexes, mais ça va, enfin, vous verrez que c'est quand même assez simple. C'est complexe, mais simple en même temps, c'est un petit peu bizarre. C'est assez intuitif, on va dire, voilà. Alors, concernant, vous voyez ici, on peut... Donc là, on est en train de faire notre premier personnage, en fait, celui qui va être le chef d'entreprise. On peut lui donner des compétences. Alors, moi, je vais essayer de les calquer sur mes propres compétences. Hein. Lead, oui. Programmeur, oui. Designer, oui. Artiste, oui. Marketeur, on va dire. Je suis pas très bon là-dedans. Voilà. Comme ça, on embauchera peut-être des gens pour faire le marketing. Code 2D, bon ça, on va laisser ça comme ça pour le moment. Tac, on va partir avec... Alors j'ai essayé une fois avec 5000, c'est vraiment chaud parce que bon, on peut pas construire un... Même une fois qu'on a construit un tout petit bâtiment, bah on a plus de sous du tout, donc ça devient un petit peu compliqué. On va commencer avec 10 000, ce qui est pas forcément super réaliste, hein, parce que quand on se lance, on n'a pas forcément 10 000 dollars ici, parce que c'est un dollar à donner. Mais voilà, on va commencer avec ça, ça sera bien, difficulté médium, et ça, on laisse ça comme ça. J'essaierai donc de mettre le jeu en français pour le prochain épisode. Et donc c'est parti. Alors non. Voilà. Donc le jeu se présente comme ceci avec une belle interface en bas qui est, vous allez voir, assez complexe. Hein. Vous avez des fenêtres dans tous les sens. Donc bon, faut s'y habituer et puis on les découvrira au fur et à mesure du jeu. Et la première chose qui nous intéresse, c'est de créer un bâtiment. Alors on va pas créer un grand bâtiment parce que vous voyez que les plans sont assez limités. On va créer juste un petit bureau comme ça. Alors pas tout à fait au bord de la route. Grosso modo, je pense qu'une case fait disons 1 mètre carré. Donc on va faire un truc de 16 mètres carrés. Vous voyez, ça nous coûte déjà assez cher. Vous avez la possibilité d'avoir une grille un petit peu, donc de monter étage par étage. Donc vous pouvez faire une sorte de tour. Vous pouvez aller au sous-sol, il y a un étage de sous-sol. Vous pouvez avoir une grille un petit peu plus fine, voilà, pour faire des choses, pour avoir des bâtiments un petit peu plus complexes. Pour le moment, on va rester là-dessus. Vous pouvez donc vous balader tout autour de votre bâtiment. Alors le seul regret que j'ai, c'est que bah, sur la petite partie qui est ici, des fois ça cache un petit peu. Donc voilà. Si par exemple vous avez construit votre bâtiment là, vous pouvez te cacher un petit peu par l'interface elle-même. C'est un petit peu dommage, mais bon, on va s'en accommoder. Alors ensuite, pour que notre bâtiment soit fonctionnel, il nous faut une porte. Alors vous voyez que les portes ne coûtent pas bien cher. Je pense que dans la réalité, 20 dollars une porte, bon, c'est pas tout à fait ça.
On va mettre des fenêtres, encore moins des fenêtres, vous voyez, tiens, de là à la fenêtre. Il nous faut un petit peu de lumière quand même. Hop, on va en mettre une grande ici. Donc voilà, voilà. Ensuite, il nous faut, donc pour l'intérieur, ça va être bon. On peut mettre une clôture, mais on va pas la mettre parce qu'on va très vite devoir agrandir ce local une fois qu'on va vouloir embaucher quelqu'un. Enfin, une personne, on va pouvoir se loger à deux là-dedans, mais dès qu'il va y avoir un peu plus de monde, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, on va mettre un bureau, on va le mettre ici pour le moment. Voilà, on va même en mettre deux. Une chaise. Il nous faut un ordinateur, puisque c'est un petit peu la base de ce jeu. Les employés travaillent sur des ordinateurs. Hop. Ensuite, on a besoin de radiateurs. Vous voyez que les choses sont quand même assez bien pensées. Voilà, c'est quand même de ce point de vue-là, c'est réaliste. Il faut quelque chose pour soit réchauffer la pièce quand il fait en plein hiver, ou la refroidir en plein été. Et on verra plus tard que, notamment quand on fait des salles avec des serveurs, des choses comme ça, parce qu'il y a la possibilité de mettre des serveurs. Eh bien, il faut qu'on ait un dispositif de refroidissement pour qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce. D'ailleurs, vous pouvez constater aussi que toutes les fournitures, en quelque sorte, tous les objets ne sont pas disponibles et seront disponibles en fait au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il y aura certainement aussi la possibilité dans le futur de rajouter nos propres objets via le Steam Workshop. Ce qui va être, je pense, un super moyen de développer ce jeu aux possibilités infinies, en tout cas pour ce mode de construction. Alors, je crois qu'il nous manque plus que de la lumière à l'intérieur de... Voilà. Alors oui. Il faut même que donc la lumière ou ce ventilo soit accessible pour pouvoir être réparé. Donc on a la lumière ici. On va mettre un petit peu de décoration, ça pourrait être pas mal. On va mettre... une pendule au mur, hop, une petite plante à l'entrée. Alors il y a une chose qui est un petit peu bizarre, c'est que moi en tant que patron, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes, j'ai pas besoin de tout ce qui est toute cette partie needs, donc qui comprend donc le café, le frigo ou encore les toilettes. Mais mes employés, eux, en ont besoin. Donc bon, c'est assez particulier, mais voilà, on va s'en accommoder. Et donc lorsqu'on aura un employé, il va falloir prévoir donc d'intégrer des toilettes, un réfrigérateur pour qu'il puisse bien manger le midi. Donc on fera peut-être une salle du personnel. On verra au fur et à mesure que le bâtiment va s'agrandir. Bref, je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous voyez, on a un petit bureau qui est sympa. Alors on va peut-être mettre une petite lampe de bureau aussi, ça pourrait être bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on a quand même, bon, c'est tout petit, c'est pas forcément super génial. Alors on va maintenant faire un peu la déco intérieure, extérieure et intérieure. On peut changer en fait la couleur des murs extérieur et intérieur, même la texture. Alors vous voyez ici, on peut choisir donc un matériel en fait pour l'extérieur des murs, donc celui-ci. Bon, alors, je le trouve vraiment moche celui-là. Là aussi, je pense qu'avec des mods, on pourra en rajouter d'autres. Une fois que le jeu sera peut-être sorti en version définitive. J'aime bien cette texture là, vous voyez. Donc on va appliquer. Ensuite on va faire l'intérieur. Alors là c'est pareil, il n'y a pas grand chose encore. On peut faire des choses comme ça, c'est assez sympa. Ça peut être bien pour des bureaux. Les vagues aussi, c'est assez marrant. Là ça n'a vraiment aucun intérêt, dans mon sens. On va tester avec ça. Et du coup, on pourra faire des pièces un petit peu à thème. Et le sol, c'est pareil. On peut changer donc la texture du sol. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas grand chose encore. On peut mettre une sorte de parquet, du carrelage ou un carrelage comme ça. On va mettre une sorte de parquet. Et maintenant, on peut même changer les couleurs. Alors, pour l'extérieur, on va rester dans une texture un petit peu grise. Plutôt blanche d'ailleurs. Pour l'intérieur, alors on va faire des murs, on va faire des choses en vert, un vert bien pétant. Non, bleu, j'aime bien le bleu. Un bleu un peu turquoise. Voilà, bleu turquoise, c'est pas mal.
Ouais, j'aime bien. Et le sol, on va essayer de trouver une couleur un petit peu marron. Alors. Marron, marron un peu plus clair. Parce que bon, le parquet, voilà. Vous voyez les couleurs, c'est les couleurs de la palette. Donc, il n'y a pas forcément trop de variations dans. C'est un peu dommage. Et il n'y a pas trop les effets de parquet ou choses comme ça. Mais bon. C'est pas forcément non plus trop trop grave. Donc ouais, on va mettre un petit peu marron comme ça. Voilà. Bon, on verra si on modifie les choses. On va définir ça en tant que style par défaut. Alors je sais plus du tout où c'est. Set as default style. C'est-à-dire que toutes les nouvelles pièces que nous ferons seront sur ce modèle-là. Voilà. Parce qu'au niveau de la texture des murs et du sol. Voilà. Bien. Alors maintenant qu'on a fait notre petit local, on pourrait même rajouter un parking pour ce que notre chef d'entreprise et puis nos futurs employés puissent arriver en voiture. Parce que bon, vous voyez qu'il y a quand même un arrêt de bus devant. Alors ça se voit pas forcément. Voilà, il y a un arrêt de bus. Mais du coup, les employés et puis le chef d'entreprise, sommes tributaires en fait de ces horaires et on peut pas faire vraiment les horaires que l'on souhaite. Donc du coup, on va rajouter un parking. Alors, je sais plus où c'est. Gate, window. Bah oui, c'est là. Road. Horizontal park et on fait un parking ici. Voilà. Comme ça, pas de souci. Alors oui, c'est sommaire, hein, d'accord? Mais ça suffira pour le moment vu qu'on est tout seul dans l'entreprise. Donc on a un parking qui est deux fois plus grand que notre local d'entreprise, mais c'est pas grave. Alors si je devais mettre une petite critique sur ce module, il nous manque peut-être encore de quoi faire des petites allées ici pour les piétons. Ça pourrait être vraiment sympa, de sorte que déjà ça soit plus réaliste, parce que là pour le moment il marche sur de la pelouse. Et ouais, ça serait vraiment chouette. Bon, on peut espérer que ça soit ajouté par le futur, soit par l'entreprise qui développe ce jeu, ou par la communauté. Ce qui sera certainement fait. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Lorsqu'on commence ce jeu, il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait. Ici, vous avez la possibilité en fait de développer des logiciels, mais lorsqu'on est tout seul, c'est un petit peu compliqué et surtout, il faut avoir un peu plus d'employés pour faire ça. Vous voyez, par exemple ici, si on veut développer un operating system, donc ça doit être un, hop, j'ai perdu le nom, un système d'exploitation. Il faut au minimum une équipe de 4 employés, donc enfin, nous plus 3 personnes en fait pour le faire. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas ce qu'on commence par faire. On peut, en dehors des systèmes d'exploitation, vous voyez, on a quand même pas mal de choses à faire. Donc on peut développer des jeux, des outils audio, des outils plutôt vidéo, des suites bureautiques, CMS, je sais pas du tout ce que c'est, Content Management System. Le Special Task Managing Content, ouais, c'est des outils de management si je comprends bien. On peut aussi développer des moteurs de jeu, mais tout ça, on ne peut pas le faire tant qu'on est tout seul. Donc, il existe un autre moyen de gagner de l'argent au début et de se faire un petit pécule pour pouvoir en fait embaucher quelqu'un, une personne, deux personnes, trois personnes, et c'est les contrats. Alors, ces contrats, ça se présente comme ceci. On a ici une liste de contrats et puis on accepte ou non le travail. Vous voyez qu'ici on a toute une liste de caractéristiques. Alors oui, c'est en anglais, j'espère que vous n'êtes pas allergique à l'anglais. Moi ça me pose aucun souci, mais bon, je mettrai le jeu en français pour le prochain épisode. Il n'y a aucun souci. Ce qui est très important en fait, c'est la recommended team size. Voilà, on va pas prendre quelque chose qui recommande une taille d'équipe à 3 ou 4 puisqu'on est tout seul. Et aussi la required quality, plus la qualité est basse, enfin, plus la qualité demandée est basse, plus on va pouvoir faire le travail rapidement.
Et enfin, le time limit, c'est en fait le délai dans lequel on doit réaliser ce qu'on nous demande. Donc ici, logistic application, je ne saurais pas traduire ça. Game asset, bon, ça c'est assez facile. Mais voilà, donc le temps qu'on doit mettre pour réaliser le contrat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout simplement par un petit contrat. Donc, on va faire accept work. Ça je m'en fous. Voilà. Et on y va. Alors, le problème, c'est que pour le moment, il n'y a personne. Donc, on va passer à la journée suivante. Voilà. Ah oui, autre chose qu'on n'a pas fait encore, c'est manage team. On va, comme on est le patron, on peut travailler un peu plus longtemps. Donc on va se mettre de 8h à 18h, évidemment. Il peut prendre des pauses au milieu. Alors les employés, en tout cas, eux, ne sont pas. Voilà. Donc c'est parti. Vous avez ici la possibilité d'accélérer un petit peu le temps, parce que vous voyez que ça passe quand même assez lentement en vitesse 1, en vitesse 3, voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous voyez qu'ici, notre patron, donc nous, sommes en train de développer ce qu'on nous a donc au répondre au contrat. Une fois que ça va atteindre la petite barre bleue, ici, on va pouvoir cliquer sur Develop, sans souci, voilà. Ça, je m'en moque, voilà, Alpha, et ici, c'est pareil, on va attendre que ça arrive jusqu'à la petite barre bleue, et puis on va Promote, on va Promouvoir, on fait un petit cours d'anglais en même temps, c'est très sympa. Beta, Release, et voilà, c'est fini. Donc là, on a gagné un petit peu de sous, vous voyez, 8005, pardon, à peu près. C'est un petit peu moins que ce qu'on escomptait, mais ça fait un petit peu d'argent quand même. Ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de sous. Alors ce que je vous propose, ça va être de continuer ça jusqu'à arriver à peu près 100 000. De sorte à avoir une petite base où on pourra éventuellement embaucher quelqu'un. Donc agrandir, quoi qu'on peut se mettre à deux là-dedans, il n'y a aucun souci. On va embaucher quelqu'un et on va peut-être pouvoir commencer le développement d'un premier logiciel, premier jeu, je ne sais pas, on verra bien. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant de sur ce jeu avant d'une part de l'acheter et puis ensuite de vous le faire en vidéo. Et souvent les gens commencent par faire des logiciels audio ou vidéo. C'est assez simple, ça permet de gagner un petit peu de sous. Et c'est plutôt facile. Les jeux en général ils ne marchent pas. Enfin voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec les jeux. Donc voilà, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un outil vidéo dans le but peut-être de faire ensuite un 2D Editor par exemple. Voilà, dans le but ensuite de faire de l'utiliser pour nos futurs jeux. Voilà. Puisqu'en fait, on peut utiliser pour développer des jeux, des systèmes d'exploitation, nos anciennes versions ou d'autres anciennes versions de d'autres entreprises. Enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Bon, pour le moment, on va faire une petite ellipse, de sorte à pas trop allonger cette vidéo, qui est déjà fort longue. On se retrouve quand je serai à peu près à 100 000 de budget. Alors, on va faire l'ellipse en accéléré. Donc, ça va être très très accéléré. Voilà, allez, c'est parti.
Bien, voilà. On est arrivé à plus ou moins 100 000, un peu plus, hein. Le but, c'est aussi d'avoir un petit peu d'argent pour agrandir notre local qui fait un petit peu ridicule. Donc, ce que nous allons faire maintenant, pour terminer cet épisode qui est déjà bien avancé, ça va être de d'agrandir un petit peu notre local et d'embaucher une personne. Et on verra dans le prochain épisode, dans l'épisode 2, eh bien, ce qu'on va lui faire faire. Donc c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que notre employé puisse eh bien aller aux toilettes, avoir tous les needs qu'il demande. Et donc pour ça, il va falloir agrandir un petit peu notre entreprise. Et ça va être assez simple. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire des toilettes. Très important. Très très important. Touk touk touk, alors je sais jamais où c'est pas grave, voilà. On va le prendre comme ça. 4 mètres carrés, ça me paraît bien. Cette porte là, elle va nous embêter un petit peu. Voilà. Ensuite, donc là, on a ce qu'il faut. Ensuite, on va faire une autre pièce. Alors, vous voyez qu'il y a deux outils pour faire des murs extérieurs qui sont plutôt bien. Celui-là, on peut faire vraiment n'importe quoi avec celui-là. Voilà, comme ceci. C'est très très intuitif, hein. Voilà, clic gauche pour valider, clic droit pour revenir une étape en arrière. Aucun problème. Voilà, et ici on va faire donc une petite entrée sympathique avec une plante. Très important les plantes. La fenêtre ici, on va l'enlever aussi. Voilà. Donc là on a ouais, quasiment, je pense, plus que doublé presque la surface. Oui, plus que doublé. Et donc on va mettre des têtes. Alors déjà, on va voir. Oui, on va d'abord commencer par mettre les windows. Donc les fenêtres. Hop. Donc oui, ici. Alors on va remettre une grande du coup sur ce côté-là. Voilà, quoi, pour avoir une pièce assez lumineuse. On va pas mettre de fenêtres qui donnent sur la route. Tout simplement parce que bah, c'est pas chouette d'avoir une fenêtre qui donne sur la route. Ici. On va mettre une fenêtre grande comme ça, puis à côté on va mettre la porte. Porte principale. Ici donc on met pas de fenêtre. Dans les toilettes, bah non plus, ça sert un peu à rien. Les portes maintenant. Non, alors c'est pas celle-ci. Dehors, 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 dehors. Alors, les portes intérieures, on va mettre une porte. Ah, je peux pas en mettre une là. Parce que derrière il y a un radiateur. Et oui, forcément. Voilà. Donc le radiateur, eh bien, on va le bouger, on va le mettre ici, pas de souci. Ensuite, donc, on revient sur la porte. On va mettre une porte là pour rentrer dans les bureaux, une autre porte ici pour aller dans la salle du personnel qui est mine de rien quand même assez grande. Et les toilettes, on va les mettre comme ceci. Alors, c'est pas forcément super super logique. Oui, d'ailleurs, cette porte là, ouais, si ça passe. Voilà. Ensuite, alors, bon, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait ici. Ouais. Non! Il nous manque une belle porte pour l'entrée. Voilà, comme ça on a deux portes. Enfin, ça fait assez bien. Vous voyez, on a deux portes transparentes pour l'entrée. On va mettre une petite plante, etc. à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est plutôt la déco intérieure. Alors, la lumière, ici, il n'y a pas forcément besoin de mettre à l'intérieur ici quelque chose. L'important. Là, par contre, oui. Dans cette pièce-là aussi, la lumière, c'est important. Va falloir faire un deuxième bureau. Alors, office. Donc ici, donc on n'a pas forcément la place de mettre beaucoup de choses. Alors oui, il y a une petite subtilité quand même pour changer d'orientation. Donc en fait, vous devez appuyer sur votre clic gauche et aller faire votre souris dans le sens que vous voulez mettre votre table ou quelque chose comme ça. Donc nous on va la mettre comme ça, avec peut-être, oui voilà, vue sur le parking. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément toujours super simple de voir où est-ce qu'on doit être. Parce qu'on peut pas bouger, enfin j'ai pas encore trouvé s'il y avait un moyen de bouger ici, de bouger la carte. Voilà, on met trois sièges, sachant qu'on sera que deux.
C'est très utile. On va mettre donc un deuxième bureau ici. Voilà. Office, on va lui mettre un ordinateur. Hop. Une petite lampe. Vous voyez, ça descend quand même assez vite. Enfin, assez vite. Tout est relatif. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça c'est bon. Alors, oui, les needs. Donc, les besoins. Il nous faut donc des toilettes. Depuis le temps que j'en parle. Hop, voilà. On va mettre un frigo. Ça coûte, mais c'est pas grave. Et une machine à café. Alors, pour ça, on va rajouter une autre table. Oui, ici. Non, bah non. Non, bah non, 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 surtout pas. Ah, mais ma salle, elle est trop petite. Oui, la machine à café, à la limite, elle a pas forcément besoin d'être dans le... dans cette partie-là. Alors, est-ce qu'on va prendre... On va prendre une petite machine à café, quand même. Voilà. Comme ceci. Un petit peu de décoration pour l'entrée. Voilà, une petite lampe. Bien, sympa. On va rajouter des petites un petit peu de déco aussi sur... ici même. Voilà. Mais on est bon là. Et une petite plante verte dans la salle du personnel. Je sais pas si on peut mettre des choses sur cette table-là. Is already occupied. Ok. Bon, c'est pas grave. On peut rien mettre sur cette table. Peut-être mettre une petite pendule à l'intérieur ici. Voilà. Et, ah bah oui, j'allais oublier le chauffage. Chauffage, chauffage. C'est quand même assez important. À cet endroit-là. Parce que s'il fait froid dans la salle du personnel, les gens n'y iront jamais. Et pourquoi pas ne. Oui, bon, je suis ici, non. Enfin, si on peut mettre un peu de chauffage aussi. Hop. 250, oula, et ça coûte masse ça. 100, pas de ventilation. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on est pas mal. C'est mine de rien assez sympa. Voilà. Tu vois, si on met l'étage supérieur, l'étage en plus, c'est enfin, plutôt pas mal. Voilà. Vous avez possibilité d'abaisser les murs pour que ça soit un peu plus clair. Ce qui est aussi pas mal, mais bon, il y a les portes alors au final. Bien, alors maintenant qu'on a fini nos bureaux, qui sont bien, pour deux personnes ça va être plutôt chouette. À la limite, on aura la possibilité de mettre une troisième personne ici. Mais après, il va falloir encore s'étendre. Bon, pour le moment, ça va. Je pense que oui, on pourra mettre une troisième personne là, sachant que cette planchère va la déplacer, je sais pas, peut-être dans le coin ici. Pardon. Donc cette plante-là, on la déplacera peut-être dans ce coin. Alors maintenant, on va aller recruter un nouvel employé. Vous voulez là et tout le non, ça je m'en fous. Voilà. Alors, on a des sous, donc on va pouvoir bien le comment dire bien le payer, voilà, je vais chercher mes mots. Programmeur, non. Un designer, ça peut être bien. Alors, on a le choix. De toute façon, je pense qu'à terme, on aura un de chaque pour la première petite équipe, hein. Un programmeur, un designer, un artiste, un marketeur. Et puis, bah, moi, je piloterai tout ça avec, donc, monsieur Alfred Valère. Un programmeur, oui, ça pourrait être bien pour aller plus vite. Sachant qu'un marketeur, c'est très utile aussi. Alors, on va plutôt bien le payer pour... voilà. On va tout demander pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, il n'y a pas grand monde quand même. Alors, compatibilité, good, diligence, designer, programmeur. Oui, bon, bah, plus bien. Après, les autres, ils sont un petit peu vieux, je suis désolé pour eux, mais bon, voilà, après, faut leur payer là. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qui se passe quand on prend des employés plus âgés. Qu'est-ce qui se... Ouais.
Oui, elle, compatibilité bad, bah, on va pas la prendre, ça c'est sûr. Aptitude, oui, bon, ouais, c'est ça. Celui-ci est presque mieux. C'est une diligence, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis pas encore suffisamment bilingue en anglais pour ça. Bien, on va recruter celle-là. Hire. Et c'est bon. Donc là, on est deux, on a recruté une femme. Bien, par contre, elle va pas faire. Je pense qu'elle va pas. Rester debout. Alors, du coup, on va lui rajouter une chaise. Ça peut être utile. Voilà. Accessoirement. Et on est bon. Alors, il nous reste à faire finance, market. Donc ici, vous avez tout un tas de d'onglets qui permettent de voir tous les autres, par exemple, tous les autres logiciels qui existent sur le marché. Vous avez ici donc toutes les compagnies qui existent également sur le marché. Vous voyez que nous, on doit être voilà, on est pouf dans les dernières compagnies, hein, pour se le dire. Fans 0, ok. Et vous avez des compagnies qui sont ouais, vraiment, vraiment, vraiment hautes, là, avec 1 milliard, etc. Donc, le but ultime, c'est bien évidemment de les racheter et de, ouais, tout racheter. The Software Times, là, bon, il n'y a rien du tout. Upcoming Release, ça, c'est les choses qui vont être bientôt réalisées. Deals. Quand on a une réception, on peut avoir des deals, ça peut être pas mal aussi. No. Donc, ouais, voilà, c'est cette chose. Hop. Et moi, ce que je cherche, c'est serveur, your release, develop software, research, finance. Alors, je sais plus du tout où c'est, Lawrence. Non, donc ça c'est la valeur de la compagnie, non plus. Touk touk touk. Alors ce que je cherche en fait c'est où est-ce qu'on trouve le. Ah voilà, c'est ça. Temporary call cleaning. Voilà, puisque les locaux bah, ce sont un petit peu sale, il faut les nettoyer. Vous voyez que tout est pensé ici. Hop. Alors, on va lui redonner un contrat à notre petit ami. Et puis, on va terminer là-dessus pour ce premier épisode. Donc, contract, c'est ici. Vraiment que je mette le jeu en français. Moi, ça me pose pas de soucis, mais je pense que ça peut être un petit peu gênant pour vous. Enfin, tout du moins, si l'anglais, vous n'aimez pas trop l'anglais. Ça, c'est bien. Voilà, c'est parti. Allez, hop, au travail. Vous voyez la petite dame qui est venue là pour nettoyer, tout est propre, ça nous a pas coûté cher parce qu'il n'y avait pas grand chose à nettoyer et nos locaux sont tout petits, donc c'est plutôt bien. Notre employé n'arrivera que demain, donc bah on va attendre ça. On va l'attendre. Voilà, on passe la journée. Je sais pas ce qu'il a dit, hein. Voilà, c'est ça. Nous on est là et notre employé est ici. Vous voyez que ça va quand même un petit peu plus vite. Ce qui est plutôt bien. Release. Parfait. Vous voyez que ça va quand même beaucoup plus vite. Bien. Donc on a bien commencé notre petite entreprise pour ce premier épisode. On est presque à 40 minutes. Enfin, moi j'ai 40 minutes d'épisode. Ça va faire un petit peu moins parce que j'ai accéléré quand même une petite partie. Donc on va s'arrêter là et donc je vous dis rendez-vous très bientôt, donc la semaine prochaine en fait, en toute logique, pour l'épisode 2 sur Software Inc. où on va peut-être commencer à développer notre premier logiciel maintenant qu'on a une équipe, des locaux à peu près, enfin, plutôt potables à mon avis. Bon voilà, on pourra faire des choses plutôt bien. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite.